Non mais si tu crois en fait, nous le minimises. J'ai pris le seul en Christ. Le passage de l'évangile qui nous est proposé ce dimanche m'a toujours intrigué. Toujours. Quand je lis ce passage, je suis mal à l'aise. Le contenu du dialogue de Jésus et de cette dame dans ce pauvre moment, dont la fille est possédée par des démons, a-t-il dérangé jusqu'aujourd'hui? Mais quelquefois, Jésus a une pédagogie de choc pour purifier et vérifier la foi de ceux et celles qui sont en face de lui. Dans mon évangile d'aujourd'hui, nous avons une belle rencontre écrit ces moments, mais le contenu est un peu surréaliste quand on propose de Christ. Voici une femme qui a été éprouvée. Éprouvée en tant que mère, éprouvée en tant que femme désespérée. Sa foi est mise à l'épreuve. D'abord, il y a la santé de sa fille. Sa fille est tourmentée et possédée par un démon. Quelle mère voudrait voir sa fille être possédée par un démon qui est une question? C'est pas possible. Pas possible. C'est le regard des disciples de cette femme. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a entendu parler de ses miracles. Guérir les gens, il nourrit des fous, il mange avec peu de choses. Il va même jusqu'à donner la vie à des morts. Il délivre les personnes possédées. Et voilà que l'opportunité se présente. Une occasion à ne pas rater. Elle entend parler du Christ et se rend compte qu'il passe. Elle se dit, il ne peut pas laisser passer l'occasion. Elle va crier, Seigneur, Fils de David, viens délivrer ma vie devant tes mains de nous. Mais ces cris gênent les disciples. Ils n'ont pas de compassion pour elle. Aucune compassion. Ils sont dans l'indifférence totale. Ils disent au Christ, Seigneur, c'est que nous dérangeons. C'est que nous dérangeons. Des gens qui passent par Jésus-Christ. Tous les jours. Nous sommes deux qui veulent au Seigneur, cette femme, la même dérange que cette femme, vient nous agresser. Pour la renvoyer. Et ça nous arrive aussi chez nous. Nous sommes chrétiens, tellement nous allons. Pas tous en même. Mais quelquefois, on bouge les oreilles, on ferme les yeux, pour ne pas voir le misérable qui crie vers nous, le pauvre qui crie vers nous. On bouge les oreilles, on ferme les yeux, on bouge les oreilles, pour ne pas entendre le cri pour le misérable. Et puis chaque fois qu'on vient à la personne, on ne bouge plus une bataille contre le Seigneur. Mais on ne peut aucune attention à ce que nous sommes. Ça nous a dit aussi. Donc elle est dépouillée par le comportement indélicat, indécent même des disciples. Mais elle tire. Et elle vient se mettre au pied du Christ, elle se prosterne et manger. Elle dit Seigneur, viens en dessous. Et cela va avoir ce dialogue surréaliste entre Jésus et les deux. Je n'ai pas de pouvoir. Ma mission première, c'est que Dieu m'a donné, c'est de chercher, de chercher les bénis perdus d'Israël. Donc tu ne me cherches pas. Je ne suis pas. Ton cas ne m'intéresse point. C'est le peuple, c'est vrai. Jésus vient sur la terre pour venir dans le salut, au peuple de Dieu. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas des juifs. Quand tu vas peut-être dire que nous sommes des juifs. Mais le salut est aussi pour vous. Nous sommes représentés par cette femme de l'homme. Je lui dis, ton cas ne m'intéresse pas. Et il va aller plus loin en ayant des paroles qui ne sont pas religieuses. Dans la titille en disant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants
vous le donnez au petit chien. Il dit même au chien, petit. Chien, c'est déjà un jour de penser à lui. Tu n'es pas bien. C'est des grands hommes. Et quand tu viens de petit chien, c'est encore vraiment, c'est très génial. Donc il va humilier cette femme parce qu'il est trop beau. Mais sa manière, ça peut produire également de pouvoir titiller un peu la foi. Les enfants sont là, ils sont là, pas des petits chiens. On n'est pas content de prendre le pain, la nourriture, le pain. Elle comprend très bien le langage de Christ. Elle comprend très bien qu'elle n'est pas partie de son pain. Elle le dit, il dit c'est vrai. C'est pas que je ne suis pas digne d'être du peuple élu. N'empêche que les petits chiens, ils mangent des miettes, ils tombent dans la table. De leur maître. Elle est du même enfant que des maîtres. Chant, le thème se présente. Les petits chiens mangent la miette qui tombe de la table de leur maître. Il dit au Christ, que tu ne veux pas, moi aussi, je suis obligé de saluer Dieu. Ce que Dieu veut pour vous, il le veut aussi pour vous. Et c'est vrai. Le salut que Dieu nous apporte, c'est que le Seigneur n'est pas seulement un Dieu catholique, aux chrétiens, tous les hommes qui ont besoin de religion, sont l'objet du salut de Dieu. Tous les hommes sont enfants de Dieu. Et quand je dis bien sûr, il ne vient pas seulement pour vous, il vient communiquer, pour transmettre son message de bonne nouvelle et d'amour de salut au monde entier. Donc, on soit chrétien, nous sommes tous, nous sommes pris en charge. Avec le Seigneur, le Seigneur de Dieu, tout le monde. Et devant cette expression forte de la foi de cette femme, Jésus est admiratif de lui. Femme, ta foi est grande. Et bien, ce que tu as développé, tu le vois, le test de Dieu, c'est la question. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous vivons quelquefois, dans mon vie, quelquefois, des situations de difficulté, dans des situations difficiles. Des situations humiliantes, dégradantes même, de la part de nos proches, de nos amis, de la confiance. Nous avons une expression de l'échec, de mal-être, devant ces réalités qui pourraient nous contrarier. Quelle est l'intensité de notre foi? Allons nous bercer, allons nous chanceler, allons nous abandonner. Le cap de la foi, le cap de l'espérance. La foi est mise à l'épreuve, c'est très important, mais la foi qui persévère dans la confiance que tu as donnée au Seigneur est plus récompensée. Donc, toi qui me vois que là, sur cette église, en cette fin de matinée, retiens ceci. Quelle que soit la circonstance que tu as traversée, que tu as vécue, quelles que soient les situations difficiles pour se présenter à toi, ne baisse pas les bras. Ne doute point de la présence de Dieu. Car les épreuves que nous traversons sont là pour purifier ta foi, pour t'aider à grandir dans cette intimité forte avec le Seigneur. Ne l'abandonne pas encore plus comme cette femme. Mets-toi à genoux, passe tellement devant lui, lève les yeux vers lui et crie Seigneur. Viens, moi aussi je suis bénéficiaire du salut que tu apportes à l'humanité. Je t'ai pourquoi pour mettre sur le pied. Je suis ton enfant. Donc jette sur moi un regard de l'autre. Et bénis mon sang. Réponds-moi. Écoute mes prières. Voilà, je t'ai donné cette parole d'espérance très forte. Que le Christ nous donne comme le Dieu ce matin dans ce qu'elle est surréaliste. Dans la première lecture, il est question de foi en Dieu et de la foi qui devient concrète cette foi dans la pratique de la justice du droit. Quand je crois en Dieu, alors je dois me laisser vivre, habiter par sa parole, laisser sa parole vivre en moi et poser les actes de justice et de droit. Quand je crois en Dieu, je dois avoir un comportement digne. La première lecture, je dois pouvoir aimer et honorer son nom. Le chrétien, c'est celui qui rend honneur au
ce n'est pas un dessin de Dieu. Parce que je le dis, parce que je ne fais pas tout mon être, toute ma vie, je dois élever, valoriser, honorer le nom du Seigneur. Il me dit dans le commandement, tu respecteras le nom du Seigneur. Son nom est un nom puissant. Son nom est un nom qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous libère. Mes chers amis, si vous voulez être sous la coupe du Seigneur, mais chaque jour est qu'il est aussi. Chaque jour. Matin, midi et soir. Je te prie que ce soit. Seigneur Dieu, viens m'aider. Seigneur Dieu, viens me délivrer. Seigneur Dieu, viens m'invoquer chaque jour. Le Seigneur Dieu. Parce que par le matin, ce Seigneur a été invoqué sur toi. Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu portes ce nom, tu te portes toi-même. Chaque jour que tu fais, invoque ce Seigneur. Mais si tu n'as rien à dire, dis seulement, Seigneur Dieu, viens de me voir, viens m'habiter, viens me protéger, viens me prouver. Et si tu fais cette expérience particulière de l'invocation permanente du Seigneur Dieu, tu verras que le propre Dieu, ce que Dieu peut le voir, ce que Dieu veut. Ma prière donc ce matin, dans cette même matinée, tout ce que j'appelle, chers frères et sœurs, c'est de reprendre un peu la sécurité, le sommet de ce qui est la finale de la première lecture. Que Dieu fasse prier sur nous sa gloire. Que Dieu écoute toutes vos prières et qu'il accepte vos offrandes. Qu'il soit avec vous aujourd'hui. Demain et toujours. Et dans sa présence, que ce qui est permis ne soit pas demain, que ce qui est bloqué ne soit pas bloqué, que vous puissiez témoigner de son amour incommensurable pour vous et qu'il règne le siècle des siècles. On va se lever, chers frères et sœurs, on va se lever et on va prendre ensemble chaque 6 mois, tu verras. Thank you.